Petit café les amis, nouvelle vidéo astuce sur God of War Ragnarok et après avoir vu les nombreux équipements, les meilleures armures à débloquer pour devenir plus fort, aujourd'hui on va parler un petit peu du combat, notamment des erreurs à ne pas faire pour être plus fort au combat et de tout ce que vous pouvez mettre en place et ce qu'il est préférable d'utiliser pour être plus performant et finir plus rapidement les nombreux combats dans God of War. On va parler des meilleures compétences, des choses à utiliser, comme ça vous pourrez vous aussi combattre les plus gros boss du jeu et bien un petit peu plus facilement. N'oubliez pas, si vous avez d'autres astuces, des trucs intéressants à mettre en place au combat, de les ajouter en commentaire, je les lirai et je prends des notes à chaque fois, ça permet de faire d'autres vidéos. Merci à tous ceux qui participent, pensez bien également au gros pouce bleu, à vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait, parce qu'il y a plein d'autres vidéos qui arrivent après sur God of War, plein d'autres astuces, ça arrive dans les prochains jours, le guide complet est bien sûr dispo également pour vous aider. Et allez, c'est parti, on y va pour les erreurs à ne pas faire et les meilleures astuces pour le combat. Et on peut commencer par parler des compétences en rapport aux différentes armes du jeu. Les armes de compétences sont assez linéaires, ce qui fait que vous n'allez pas pouvoir débloquer directement la dernière compétence bien utile, mais au final ça va se faire un petit peu automatiquement. Cependant, il y a quand même quelques compétences très intéressantes qu'il ne faut surtout pas oublier d'utiliser. Que ce soit pour l'arbre technique, principalement orienté sur les dégâts élémentaires, ou plutôt sur le corps à corps, qui lui permet de débloquer des belles attaques particulièrement puissantes. Et la première chose importante, notamment avant d'aller faire les gros combats de boss du jeu, c'est de prendre le temps de maximiser les compétences que vous allez le plus utiliser. J'entends par là, bien entendu, réussir le travail de compétences au niveau maximal. Vous allez avoir un compteur qui va augmenter en fonction du nombre de fois que vous utilisez la compétence. Il y a trois niveaux, bronze, argent et or. Et une fois que vous l'avez en or, vous pourrez donc effectivement appliquer une modification de dégâts, d'étourdissement ou encore de dégâts élémentaires. Si ce n'est pas forcément utile de le faire sur toutes les compétences, il y en a quelques-unes où ça va vraiment améliorer votre combat, surtout pour celles que vous allez le plus utiliser. Ainsi, pour ça, vous pouvez le faire sur les nombreux ennemis qui passent par ici, mais ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser les endroits un peu de farm, tout simplement, du jeu. Il y en a trois. Le premier qui arrivera le plus rapidement, ce sont des nids de créatures qui apparaissent à plusieurs endroits dans le monde et qui font apparaître, justement, des monstres non-stop. Vous pouvez les utiliser pour monter certaines compétences rapidement. Dès que vous en croisez un, vous pouvez prendre quelques minutes pour éliminer des ennemis un peu en boucle pour augmenter certaines compétences. Pour ça, il y a également les deux arènes de combat disponibles dans le jeu, celle du Muspel où vous aurez des épreuves que vous pourrez recommencer en boucle. Certaines épreuves vous demandent de tuer plusieurs dizaines voire centaines d'ennemis, ce qui encore une fois est bien pratique pour utiliser ces compétences. Mais ce n'est peut-être pas la meilleure technique, puisque vraiment ce qui va être le plus favorable à l'augmentation de ces compétences, c'est l'arène dans le monde du Nilfheim. Elle va se débloquer après avoir récupéré la quasi-totalité des corbeaux, donc ce n'est pas disponible au début du jeu, plutôt pour le combat de fin quand vous allez affronter les boss. Et bien justement, vous pourrez aller dans cette arène pour vous entraîner sur certaines compétences et donc les débloquer au maximum. Ce qui est intéressant, c'est que les ennemis vont apparaître totalement en boucle, que vous pouvez arrêter à tout moment pour vous soigner automatiquement. Le souci, c'est que ça ne récompense pas du tout en termes de ressources et d'XP, c'est vraiment juste une arène d'entraînement, donc vous perdez un petit peu de temps par rapport à certaines épreuves du Muspelheim par exemple qui vont vous récompenser, mais c'est un petit peu plus facile et un petit peu plus rapide pour maximiser ses compétences. Pour parler des compétences en elles-mêmes, au niveau de la hache, celle que j'adore utiliser, c'est le ratissage glacial. En maintenant R1, vous allez faire une énorme vague de glace au sol, ce qui va déstabiliser les ennemis, mais surtout leur mettre énormément de dégâts élémentaires de glace pour les congeler et aussi pour voir ensuite switcher, on rappelle, entre le feu et la glace dès que vous avez débloqué les compétences qu'ils permettent. Extinction de flamme et sublimation du givre, qui sont les deux premières compétences à débloquer le plus rapidement. Ça tombe bien, elles sont au tout début de l'arbre, puisque vos dégâts vont vraiment être décuplés quand vous allez changer entre le feu et la glace, mais ça on en a déjà pas mal parlé. Pour le ratissage glacial, ce qui est vraiment intéressant une fois que vous l'avez débloqué au maximum, c'est d'appliquer une modification élémentaire, ce qui va permettre de congeler quasiment directement les ennemis, et ça c'est vraiment sympa. Une autre compétence qui est particulièrement puissante pour la hache Léviathan, c'est l'ascension gelée. Il faut impérativement avoir activé le gel sur votre hache avant. C'est vrai que c'est un peu pénible de s'arrêter, d'appuyer longtemps sur triangle, ça casse un peu le rythme, mais vous devez impérativement vous y habituer parce que vous avez des attaques surpuissantes quand votre hache est gelée. Ne tapez pas sans avoir gelé votre hache ou le moins possible. Et notamment avec l'ascension gelée qui, avec un appui sur R2, va faire une énorme explosion de glace, ce qui, en plus de rajouter des dégâts, va totalement projeter les ennemis
aux alentours, ce qui est particulièrement pratique. Je le disais, effectivement, geler sa hache, c'est un petit peu pénible. Et bien pour ça, vous avez également des compétences qui vont vous améliorer un petit peu la chose. Ça va s'appeler les éveils de givre. On a par exemple éveil de givre 2 qui permet d'activer rapidement, beaucoup plus rapidement, la glace lors d'un sprint. En même temps que vous sprintez, vous maintenez triangle pour aller vers un ennemi et vous allez directement activer l'éveil de givre et vous pourrez directement enchaîner sur une énorme ascension de gel. C'est particulièrement puissant. L'éveil de givre 3, c'est l'une des dernières compétences, donc ce sera un peu plus long à débloquer, mais il faut bien penser à l'utiliser puisque directement quand vous allez rappeler votre hache, maintenez encore une fois triangle pour l'activer tout simplement rapidement. Autre compétence qui me paraît intéressante, c'est le permafrost glacial qui vous permet d'activer une méga jauge de permafrost avec L1 plus triangle. Dès que la jauge est remplie, vous allez faire énormément plus de dégâts et énormément de dégâts glacial aussi. Donc une fois que c'est débloqué, n'oubliez surtout pas d'activer cette compétence parce que la jauge se remplit particulièrement rapidement et souvent eh bien elle est pleine et on ne pense pas à l'utiliser alors que ça fait vraiment énormément plus de dégâts. Donc zioutez bien en bas à gauche de votre écran. Avec ces quelques compétences que vous pouvez utiliser quasiment en boucle, vous allez pouvoir éliminer tous les ennemis beaucoup plus facilement, interrompre la quasi-totalité de leurs attaques. Ça avec en plus les attaques runiques dont on reparlera dans une autre vidéo sur les meilleures choses à équiper, et bien effectivement vous allez être particulièrement efficace avec votre combat avec la hache Léviathan. Bien entendu, vous allez retrouver le même fonctionnement à quelques détails près avec les lames du chaos. Seulement la capacité spéciale doit être chargée en appuyant plein de fois sur triangle, c'est une petite habitude à prendre également. Une compétence que j'aime beaucoup avec les lames du chaos, c'est une compétence à distance qui va s'appeler la prise d'Hyperion. Ça va vous permettre de vous rapprocher d'un ennemi, ce qui déjà est bien pratique plutôt que de l'amener à vous, et en plus de tout simplement lui faire énormément de dégâts et de l'étourdir. Alors si en plus vous maximisez cette compétence en or et que vous appliquez un effet d'étourdissement dessus, vous allez être complètement cheaté, tous les ennemis vont pouvoir être one shot quasiment du premier coup, même avec des modes de difficulté assez élevés. Continuons avec quelques autres astuces de gameplay. Il y a quelque chose que le jeu ne vous explique jamais et qui pourtant peut être très utile, c'est le retournement rapide. Effectivement, vous pouvez changer de direction en un instant en appuyant sur les touches L1 et flèche du bas. Ça peut être particulièrement intéressant si un ennemi est en train de vous attaquer dans le dos pour vous retourner rapidement plutôt que d'attendre que la caméra fasse le tour. L1 plus flèche du bas, c'est plutôt intéressant. Enfin, ça c'est le paramétrage de base puisque justement, deuxième point intéressant, toutes les touches ou presque sont modifiables et paramétrables dans ce God of War. On a l'impression d'être sur PC, c'est tellement rare d'avoir autant de choix sur console. Et notamment, il y a peut-être une touche qui peut être intéressante à modifier si vous n'aimez pas ça, c'est la touche croix et la touche rond. Santa Monica a fait le choix plutôt étrange d'inverser ce qui se fait depuis la nuit des temps dans les jeux vidéo, c'est-à-dire grimper avec croix, esquiver avec rond. Là, c'est l'inverse. C'est vrai que ça perturbe un peu au début quand on a l'habitude d'avoir les touches classiques, effectivement. Et si justement ça vous perturbe énormément, sachez que vous pouvez totalement changer ça dans les paramètres. Bon, par contre, si vous avez déjà quelques dizaines d'heures de jeu, changer en plein cours, ça risque peut-être de vous perturber encore plus. Donc, si vous êtes habitué, c'est bon. Mais si vous êtes encore au début de votre partie, n'hésitez pas. L'une des premières compétences que vous allez débloquer dans l'arbre de la hache, c'est le lancer de hache. Et cette compétence, elle va tout simplement faire apparaître énormément de points faibles au niveau des ennemis. Et on a un peu tendance à l'oublier après, mais la quasi-totalité des ennemis de God of War possède des points faibles. Alors pour certains boss, c'est particulièrement visible. On pense bien sûr aux centaures qui ont une espèce de grande corne en or au-dessus de la tête. Celui-ci, difficile de le manquer. Mais il en va de même pour tous les petits ennemis dès que vous avez débloqué cette compétence. Que ce soit dans la tête, que ce soit dans les jambes, c'est des véritables points faibles qui vont directement étourdir ou mettre au sol l'ennemi et que vous devez impérativement utiliser. Quand vous êtes encore à distance, avant de foncer sur l'ennemi, ce sera bien pratique. Certains ennemis, comme les elfes par exemple, ont un point faible littéralement hyper efficace dans la tête. Tous les elfes que vous allez rencontrer, n'allez pas au corps à corps parce qu'ils se défendent énormément, ils vont bloquer la quasi-totalité de vos attaques, alors que par contre, un coup de hache dans la tête et c'est mort, ils sont au sol et vous pouvez aller les finir. Tous les petits ennemis, comme les drogueurs ou les crapauds, vous pouvez viser les jambes, vous allez avoir de grandes chances de les faire tomber au sol, ce qui est très pratique également. Autre point qu'il est particulièrement important de ne pas oublier, ce sont les pierres de résurrection et encore plus quand vous allez faire les combats de boss et que vous jouez en difficile. Ces pierres ne sont absolument pas assez présentées par le jeu, elles vous permettent d'avoir une seconde chance et de revenir avec une grande partie de votre vie et c'est hyper important de toujours en avoir une. Elles se récupèrent très rarement sur des ennemis mais aussi chez le forgeron, vous
pourrez en fabriquer dans les objets spéciaux, directement dans les ressources, et en plus ça coûte vraiment pas très cher. Il y en a plusieurs, elles vous redonneront plus ou moins de vie en fonction de leur prix, mais c'est vraiment particulièrement pratique, hein. Vous verrez une petite pierre au-dessus de votre barre de vie quand vous en avez une, et c'est une seconde chance qui est vraiment intéressante à utiliser sur toutes les pierres tombales et tous les combats qui sont pas forcément évidents. Très clairement, pensez à en avoir au moins toujours une sur vous. Il est temps maintenant de parler de l'un des points les plus importants pour le combat, mais pas forcément le plus facile à maîtriser, les parades. C'est peut-être le point de gameplay le plus complexe de God of War, tellement il y a de timings différents et de possibilités de parades différentes. Énormément d'ennemis vont vous faire des attaques que vous pouvez parer, mais il faut le faire de la bonne façon. Bien sûr, principalement, il y aura le fameux rond jaune qui vous indique une parade potentielle. Mais attention, grosse erreur que la majorité font, c'est que le rond jaune n'indique pas le moment où vous devez parer. Il indique le début de l'attaque de l'ennemi. Et justement, c'est là le piège, c'est que les attaques sont très différentes en fonction des ennemis. Il y en a, ça va être des attaques très rapides et directement après le rond jaune, il faudra parer. Et à l'inverse, certains, ce sera plusieurs secondes avant de devoir parer. Pour ça, il faut regarder l'ennemi en lui-même. Quand il y a un rond jaune, vous faites attention, vous regardez l'ennemi et vous appuyez sur le bouton de parade L1 dès que l'attaque va vous toucher. A savoir qu'il y a également des attaques normales sans indicateur que vous pouvez également parer. C'est seulement les attaques avec les ronds rouges que vous ne pouvez rien faire et seulement esquiver, et les attaques bleues qui, elles, doivent être contrées en fonçant sur l'ennemi et en appuyant deux fois sur L1 pour faire un coup de bouclier. Parfois, si vous ratez une parade, l'ennemi va vous enchaîner puisque vous allez désarçonner, vous ne pourrez rien faire. Encore plus si vous avez un bouclier un peu plus faible dont on va reparler juste après. Et bien quand il se passe ça, la seule chose à faire c'est de déclencher une attaque spéciale ou votre rage. Là vous allez pouvoir contrer l'ennemi et ne pas prendre les dégâts parce que sinon vous ne pouvez rien faire. Donc c'est pour ça c'est intéressant peut-être de ne pas toujours utiliser sa rage dès qu'elle est là, mais de la laisser pour un moment où vous êtes obligé de lancer ça. Un petit peu comme une seconde chance, hein, parce qu'effectivement, dès qu'il y a la rage, dès qu'il y a une attaque spéciale, on a tendance à directement l'envoyer, comme ça c'est fait. C'est pas forcément la meilleure stratégie, des fois c'est peut-être mieux d'attendre un peu. Et puis bien sûr, pour faire de bonnes parades, il faut un bon bouclier. Il y a seulement 5 boucliers différents dans God of War, 2 débloqués au début du jeu, les 3 autres seront au fur et à mesure de votre exploration, du 100% ou encore de l'histoire principale. Je vais faire une vidéo dédiée sur les boucliers, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, notamment il y a énormément d'améliorations différentes pour les boucliers. On en fera une vidéo dédié. Mais globalement, j'ai fait la quasi-totalité du jeu avec le bouclier de l'Intrépide, un bouclier du début tout simplement. Même après avoir débloqué les autres dans le jeu, j'ai pas réussi à m'habituer à autre chose que le bouclier de l'Intrépide. Il est plus petit, mais il part tout aussi bien que n'importe quel autre bouclier, c'est juste qu'il demande un timing beaucoup plus serré et que vous êtes récompensé si la parade est réussie, mais que du coup, si ce n'est pas réussi, vous allez plus galérer parce que vous allez être directement désarçonné. Contrairement à d'autres boucliers qui vous permettent d'encaisser beaucoup plus. C'est donc un bouclier pour ceux qui vont vraiment maîtriser les parades, pour ceux qui ont vraiment du mal avec ça, il serait intéressant de passer sur d'autres types de boucliers. Mais dans tous les cas, et que ce soit n'importe lequel, vous devez impérativement penser à utiliser les contres. Dès que vous réussissez une parade ou que votre bouclier est chargé, il faut impérativement appuyer deux fois sur L1 pour lancer un contre qui est particulièrement puissant et efficace. Le contre du bouclier de l'Intrépide est particulièrement intéressant, puisque dès que vous allez réussir une parade, vous allez pouvoir lancer ce contre qui est particulièrement puissant. A l'inverse, d'autres boucliers, vous allez devoir encaisser plusieurs coups avant de pouvoir lancer le contre. Plus vous allez améliorer votre bouclier, plus le contre fera des dégâts. Mais encore une fois, les ressources sont rares, donc faites attention, utilisez vraiment le même bouclier tout le temps et améliorez le même tout le temps afin de ne pas gaspiller toujours des ressources qui sont particulièrement rares, notamment pour les niveaux les plus hauts. Les autres boucliers, le bouclier gardien, l'étoile brisée ou encore le bouclier offensif, sont tous des mix entre l'Intrépide et le mur de pierre. Le mur de pierre étant le plus lent, le plus sécurisé également, mais celui qui récompense le moins. Et oui, moins de risques, moins de récompenses. L'Intrépide, c'est l'opposé. C'est le plus risqué, mais celui qui récompense le mieux. Et puis, les 3 autres sont un petit peu un entre-deux. Et ils ont des capacités de contre-attaque intéressantes, mais qu'il faudra charger un petit peu plus longtemps. Encore une fois, pour ceux qui maîtrisent un petit peu moins les parades, ça peut être de très bons choix. Mais si vous êtes particulièrement bon sur les timings, le bouclier de l'Intrépide reste le choix à faire absolument. On en reparlera dans une vidéo dédiée sur les boucliers. On aurait également pu parler des attaques runiques, qui font partie énormément du gameplay parce qu'elles sont très variées et énormément de possibilités différentes, et c'est pour ça que justement on va aussi en parler dans une vidéo dédiée sur les meilleurs équipements, les meilleurs objets que vous pouvez prendre et mettre sur votre personnage afin d'être encore plus fort au combat.
Tout ça arrive très rapidement sur la chaîne, alors pensez bien à vous abonner et surtout à activer la petite cloche pour ne pas rater ces vidéos qui arrivent dans les prochains jours. Bien entendu, si vous avez d'autres astuces de combat intéressantes à mettre en œuvre, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire, je les lirai, ça pourra aider des gens au passage. N'oubliez pas le gros pouce bleu bien entendu et nous, on se retrouve très vite. En attendant, n'oubliez pas, les petits cafés.